Salutations la communauté, salutations peuple africain et salutations peuple du monde. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la fin de l'opération Barkhane au Mali. L'armée d'occupation française et ses alliés sont chassés du Mali par les patriotes militaires au pouvoir que la France ne supporte pas, bien évidemment, mais aussi grâce aux mobilisations des peuples africains, des panafricanistes et de la population malienne, la France a décidé de prendre la poudre d'escampette. Parce que Macron cherchait, vous savez, l'excuse pour quitter le Mali et ne pas quitter le Mali avec la honte à 100%. Donc, il fallait trouver une petite porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est grâce aux mobilisations, au courage et au brave Premier ministre Choguel et aussi à Assimi Goïta, mais surtout à Choguel, parce que Choguel, le Premier ministre, n'a pas hésité à se sacrifier pour dénoncer cette politique de prédation, cette politique d'exploitation que pratique l'armée française, la France sur les terres maliennes. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que moi-même personnellement, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez que plusieurs fois nous avons mené des actions ici en France contre le ministère des armées, nous avons fait des actions, on a dénoncé même sur à la télévision française sur TMC dans le quotidien quand l'armée française avait tué des Maliens au Mali et que elle a refusé de reconnaître ces assassinats, ces meurtres sur les civils malgré une enquête de l'ONU reconnaissant les bavures de l'armée française. Parce que oui, la spécialité de l'armée française, de l'armée d'occupation française, c'est de tuer des gens soi-disant au nom d'une guerre contre le terrorisme. Elle tue des civils, elle tue des innocents, mais elle dit toujours qu'elle ne tue personne, que elle, quand elle fait la guerre, personne n'est touché. D'où je dis que l'armée française a les mêmes pratiques que l'État islamique. Vous savez, la France a les mêmes pratiques que l'État islamique. Elle vient, elle occupe nos terres, elle tue, elle décapite avec ses bombes, elle tue des bébés, des femmes, et elle dit que elle est là pour protéger. Mais encore une fois, je dis bien, si vous êtes responsable du terrorisme, vous pouvez pas venir protéger. Vous savez, la France, comme je le dis et j'assume, la France est un État paresseux et colonialiste. Vous savez, donc il faut savoir que le paresseux cherchera toutes les justifications possibles pour légitimer sa paresse et dire que c'est la faute des autres si elle est incapable et qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, la France joue sur la peur des Africains avec le terrorisme qu'elle a elle-même créé, car elle sait que la peur permet de tenir un peuple en respect. Elle sait que la peur permet de piller des peuples sans que les peuples ne puissent se défendre. Donc elle joue là-dessus sur le continent africain pour dire aux Africains qu'elle est là pour les protéger, pour les défendre contre le terrorisme. En réalité, la France veut occulter notre raison en prenant le contrôle des opinions, en accusant par exemple les Russes de mercenaires qui font des exactions pour provoquer, d'accord, et promouvoir la peur dans la tête, dans l'imaginaire du peuple africain. Et c'est ça, au fait, la guerre informationnelle, la guerre cognitive que mène la France. Donc la présence de la France au Mali, au Sahel, nous savons tous que ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. La France ne pratique pas une guerre contre le terrorisme. Je vous le dis et je vous assure que la France pratique une guerre économique pour enrichir en réalité les multinationales amies de l'usurier, du négrier Macron-Poléon qui dirige la France et qui n'hésite pas à s'en prendre aux Français, qui n'hésite pas à empoisonner les Français dans les maisons de retraite, les enfants, etc., qui n'hésite pas à matraquer les Français et borner les Français, envoyer la police mener une répression très violente, fasciste, contre le peuple français qui est debout et qui demande la démission ou qui demande une meilleure vie sociale. Vous savez, donc, comme la France a pour habitude de propager
avec des propagandes mensongères aidées par les machines de propagande comme RFI, France 24 et TV5. Si réellement la France veut aider les États entendants africains à lutter contre le terrorisme, qu'elle-même a créé pour les tenir en respect, pour piller les richesses et les ressources naturelles et faire main basse sur les terres rares sur le continent africain. Si la France est réellement dans l'honnêteté et que la France veut réellement aider ces pays africains à lutter contre le terrorisme, alors nous invitons la France à faire comme elle le fait. Par exemple, en ce moment, vous voyez en Ukraine, elle envoie des armes, des missiles, des radars, etc. pour pousser l'Ukraine à lutter contre la grande Russie, le cauchemar de la France et son maître, les USA. Donc si la France veut réellement aider les Africains à lutter contre le terrorisme, nous invitons la France tout simplement à donner des missiles, des avions, des radars, des avions de combat, Et plein d'autres aux pays africains, comme d'ailleurs elle le fait aussi avec les terroristes en Syrie. Vous savez, la France n'a pas hésité à livrer des missiles, des armes aux terroristes en Syrie pour faire tomber le président Bachar al-Assad, pour combattre le gouvernement syrien au nom de l'alliance, au nom du partenariat avec les États-Unis, parce que la France est devenue les toutous des États-Unis. Donc quand les États-Unis rentrent en guerre, la France n'a pas le choix que de se jeter dedans, parce qu'elle ne peut pas dire non aux Américains, puisqu'elle n'est pas, la France n'est plus souveraine. Il n'y a plus de souveraineté en France. La France n'est plus souveraine du tout. Elle suit les États-Unis et c'est les États-Unis qui dictent ce qu'elle doit faire. Donc moi, j'aimerais vraiment dire au peuple africain, n'ayez crainte. On n'a pas besoin de la France pour défendre nos terres. C'est la France qui est venue créer ce terrorisme. Et chez nous, on dit toujours que le marabout qui donne la mort ne peut pas ressusciter. La France qui soutient, finance et forme les terroristes et qui utilise ces groupes armés comme moyen de pression pour tenir les peuples africains en respect, tenir les gouvernements, menacer les gouvernements pour installer des bases militaires, ne peut pas venir parler de paix. La France, à l'heure aujourd'hui, n'est plus garant de moralité pour venir nous parler de paix et de lutte contre le terrorisme. Ça, le peuple africain doit le savoir. La France n'est pas là pour lutter contre le terrorisme. Elle est là pour envahir, pour occuper nos terres. Et donc, cette mascarade de sommet que vient de faire Macron-Poléon, rejeté par la majorité de son peuple, parce que ce dirigeant Macron-Poléon, l'usurier Macron-Poléon, n'oublions pas que est quand même rejeté par une partie, par la majorité du peuple français. Son ministre des Affaires étrangères, qui est tout le temps en train de tutuber, vous voyez, Basile Zaharoff, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la mafia bretonne, comme son président le surnomme, qui veut pousser la France à rentrer en guerre et qui dit que la France rentrera en guerre contre la Russie. Et que la France rentre en guerre déjà contre les Corses. Essayez déjà de faire la guerre aux Corses déjà avant de vouloir faire la guerre à la Russie qui a un budget militaire de plus de 65 milliards d'euros alors que la France c'est à peine 40 milliards d'euros, sachant que vos matériels ne fonctionnent plus et qu'aujourd'hui militairement parlant la France ne peut plus faire la guerre et de toute façon la France n'est pas en capacité ni en mesure de gagner une guerre. Donc l'humiliation que vient de subir la France sur le continent africain, au Mali, démontre que quand le peuple africain est uni, le peuple africain peut faire mal. Mais ça, c'est que le début. Et je dis et je l'assume et je confirme pour, par exemple, les personnes au Burkina qui ne cessent de m'envoyer des messages depuis des jours pour m'insulter ou qui diffusent des choses sur ma personne dans les groupes. Moi, ça ne m'atteint pas. Je confirme que la France est au Burkina. L'armée française part du Mali, mais actuellement au Burkina, au Niger, et etc. Et je vous le dis même que la France a signé un contrat de 5 ans avec les autorités au Burkina pour pouvoir les aider. S'il n'y avait pas d'accord, vous ne voyez pas que depuis quelques jours, l'armée française annonce tuer des terroristes au Burkina. Et de plus, l'armée française dit tuer des terroristes au Burkina avec les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Depuis quand la France va tuer des terroristes, lutte pour tuer des terroristes avec des civils? La France ne peut pas refuser de travailler au Mali avec les militaires au pouvoir et les Russes
si au Burkina, elle dit qu'elle lutte contre le terrorisme avec des civils, des VDP. Voilà la supercherie. Mais contrairement aux autres pays, je vous le dis, la France n'annoncera pas officiellement, d'accord? Il n'y aura pas de communiqué directement parce que la France, l'ambassadeur Luc Allade au Burkina et le gouvernement français le savent que le peuple burkinabé, les populations là-bas sont hostiles vis-à-vis de l'armée française. Donc les choses se font en cachette et moi je vous dis en ce moment, les militaires français sont déjà au Burkina et ils sont déjà avec les militaires burkinabés. Ça c'est libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Et aussi, vous souvenez-vous, au mois de décembre, je vais vous montrer. Au mois de décembre, comme je fais d'habitude, je suis venu vous annoncer que la France va installer une base militaire au Bénin parce que Patrice Talon avait refusé deux fois, mais il finit par céder. Les preuves, vous savez, les hommes mentent, mais pas les preuves. Regardez là, c'est écrit, vous voyez, le 3 décembre 2021, j'ai fait la révélation en disant selon une source que la France mettait installait des bases militaires au Bénin et j'avais dit que selon mes informations, après deux refus du président béninois, Patrice Talon pour permettre l'installation d'une base militaire française et américaine au Bénin, le gouvernement béninois est à présent sur le point de céder à cause des intimidations et pressions du gouvernement français qui exige de les laisser ouvrir une base militaire au nord du Bénin dans la région où se trouvent les mines d'or et les multinationales frontières avec le Burkina Faso. Parce que oui, en effet, après quelques refus, la France a intimidé, a menacé Talon. Et je peux même vous révéler encore des informations que je n'ai pas dit jusqu'à présent. Pourquoi la France installe une base militaire au Bénin? Vous savez, la restitution du patrimoine des œuvres d'art au Bénin fait partie des accords que Patrice Talon a passé avec Macron. C'est-à-dire que le gouvernement français a accepté de remettre les œuvres d'art du royaume du Bénin au président Talon. En échange, Talon devrait accepter l'installation d'une base militaire au Bénin, puisqu'il y a d'autres restitutions à venir. Donc Talon ne peut pas refuser l'installation de cette base militaire au Bénin parce que c'était l'accord passé avec le gouvernement français. Nous sommes au courant, il y a des choses que nous savons que même Patrice Talon, le gouvernement béninois, ne peut pas démentir. Je répète, Talon a passé un accord avec l'État français pour la restitution des œuvres d'art au Bénin. En échange, Talon accepte l'installation de bases militaires de la France au Bénin. Et de toute façon, Talon n'a pas le pouvoir de dire non parce que il a dit non deux fois. La France a menacé de déclencher des attaques terroristes et vous avez vu, le terrorisme a commencé au Bénin. Donc où il y a du terrorisme, etc. Et c'est la même stratégie que la France est en train d'utiliser en ce moment pour s'installer au Togo, pour installer une base permanente au Togo, Golfe de Guinée, parce que là, vous entendez Macron dire que maintenant, les terroristes se déplacent, ne veulent plus être dans le désert, parce que non, il fait trop chaud, bien évidemment. Ils ne veulent plus être dans le désert, ils veulent maintenant aller à la mer, ils veulent l'océan, ils veulent aller nager. Donc maintenant, ils veulent venir prendre les pays de la côte Golfe de Guinée, etc. Donc, tout de suite, Macron est en train de déployer son armée, comme vous voyez, un peu partout au Bénin et au Togo. Voilà la réalité aujourd'hui. Mais en tout cas, nous remercions les autorités maliennes, nous remercions les populations africaines, nous remercions les panafricains qui se battent et qui dénoncent et qui continuent de dénoncer. La France vient de se faire humilier au Mali et de toute façon, elle n'avait pas le choix. Si elle ne quittait pas le Mali allait devenir le Vietnam pour l'armée française. Donc, vaut mieux quitter maintenant. Et je vous ai dit, Macron est en ce moment, il y a les campagnes présidentielles. Macron est très fragile, très sensible en ce moment. Donc il faut continuer à mettre la pression, déporter le problème de l'Afrique et le ramener ici en France, impulser une politique pro-africaine pour peser dans les campagnes, pour peser dans les campagnes, dans le débat politique ici en France. Il n'y a que comme ça que on peut se faire écouter et se faire entendre. En tout cas, merci à tous, continuons de nous mobiliser.
Merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui m'envoient des messages. Merci à vous tous, je vous aime énormément. Nous sommes ensemble, la lutte continue. Et même ceux qui ne nous apprécient pas, merci à vous, parce que c'est ensemble que, voilà, grâce aux gens qui nous aiment pas, qui nous relayent, qui nous insultent, peu importe. L'essentiel, c'est l'objectif final, c'est la victoire finale. Et peu importe les méthodes utilisées, tant que le peuple africain se libère de l'emprise, du néocolonialisme, de l'impérialisme, et la guerre ne fait que commencer. Restons, comment dire, mobilisés, armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Merci beaucoup. Bonne soirée.